En réanimation, les infirmières passent d'un extrême à l'autre. Trois chambres plus loin, c'est Wari qui va redonner le sourire à Karine. Cette petite fille est née après 5 mois de grossesse. Après 6 semaines de couveuse, elle va découvrir les bras de sa mère. Alors là, du coup, Wari va aller dans les bras de sa maman pour la première fois. Donc, elles attendent ça toutes les deux avec impatience. Et moi aussi. Je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie. Je te jure. Waouh. Je bloque même mes souffles. De quel côté vous êtes mieux? Est-ce que vous êtes mieux? Pas. Vous savez pas? La main du côté. Vous êtes droitière ou gauchère? Carrément. Tout ça, ça va. Allez, Wari. Allez, Wawa. Allez, Wawa. Hop là. Voilà. Donc, vous m'avez dit du côté droit. Alors, vos jambes. Voilà, parce que ça me gêne un petit peu. Voilà. Comme ça, maman. Regardez. Comme ça. Je vais vous l'installer bien après. Voilà. Voilà. Bonjour, maman. Oui, c'est compliqué, il y a beaucoup de fils, il faut tout bien remettre, il faut que l'enfant soit confortable. C'est bien là, ma Louise, hein? Oh, tu regardes maman. Vous avez vu comment elle vous regarde? Elle a la main de maman. Ah, franchement, je suis super heureuse. Parce que je me disais, on attendait ça avec impatience. On a passé des moments difficiles et là, c'est que du bonheur. Hein, pas vrai? C'est que du bonheur. C'est ça, tout à fait. À tout à l'heure? S'il y a un souci, vous m'appelez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. À tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, oui. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les deux. J'ai Wari, oui, bah oui, c'est la joie, parce que... On a mis pour avoir les bras et la petite à côté qui va partir, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Et bon. Côtoyer la vie et la mort, c'est le quotidien des infirmières. Xavier, le père des jumeaux, est éducateur sportif. Avant d'aller à son travail, tous les jours, il vient à l'hôpital. C'est devenu un rituel. Ben là, c'est la visite du matin. Elle est pour moi. Dans le sens où la maman est fatiguée de sa nuit ou s'est levée plusieurs fois pour tirer le lait. Donc le matin, avant le travail, c'est moi qui m'y colle, mais avec plaisir, j'aime bien. C'est mon moment. Quand sa compagne se repose, c'est le père qui prend le relais au chevet des jumeaux prématurés. Comment tu dis bonjour, toi? Le petit moment du papa. Ouais. Chacun a son petit moment. Tu dis bonjour à papa, Nour? Il y a une semaine ce matin. Oui, première semaine. C'était la première rencontre. Une semaine tout rond. Quelle semaine, hein? Oui. Hein? Quelle semaine, mon gars? Est-ce qu'après, on aura des plus tranquilles, hein? Ça va prendre un petit peu de temps, mais oui. Faut le temps de les laisser grandir un petit peu. Ouais. Une semaine que Xavier est séparé de son fils par la couveuse. Une frustration intense. J'ai toujours pas pris dans les mains, ni fait de bisous, ni senti l'odeur, ni... Mais j'essaie de pas ouvrir toutes les vannes de ces sentiments-là, parce que sinon, on peut être submergé, donc on reste concentré sur eux, sur ce que disent les infirmières, sur... ce qui est noté sur les feuilles, sur les petits résultats quotidiens. Donc oui, c'est douloureux, mais c'est pas la priorité. Hein, c'est pas la priorité. C'est toi la priorité. La priorité, c'est la santé des bébés. Et ce matin, l'état de Nour semble stable. À l'autre bout du couloir, Romane, la jumelle. Hello, la fille. Comment ça va ce matin? T'as l'air pas mal, là?
On va demander à l'infirmière ce qu'elle dit. On va demander qu'elle nous raconte ta nuit. Hein? Oh, ça babouille. Oh, ça babouille un peu sur la bouche. Je vais pas t'essuyer, moi. Mais c'était pas si on a le droit de te nettoyer tout seul. On va attendre l'infirmière. C'est laquelle ce matin? Confronté à un univers surmédicalisé, Xavier est impuissant devant sa fille. J'ai bien envie de t'essuyer quand même. Un petit peu la bouche. Tu pousses avec le pied ou pas? Est-ce que tu peux le pousser? Nous, il pousse lui. Hein? Hé, ton frère, il pousse fort. Hein? Est-ce que tu pousses toi? Depuis le début, j'ai l'image d'un match de sport tendu et où c'est vraiment mal barré. Quoi. On est dominé et il faut faire le dos rond, il faut attendre. Et on a l'impression que les éléments, on ne les maîtrise pas trop. Il y a un adversaire qui est un peu le sort, le destin, ou on ne sait pas trop qui est l'adversaire. Et puis, il a l'air fort. Quoi. Face à la prématurité, impossible de prévoir l'issue du match. Une douloureuse inconnue pour les parents, une gageure pour l'équipe soignante. Toutes les trois heures, Nour fait l'objet des soins de Marie, l'infirmière. T'as vu, je t'avais tout préparé. J'ai vu, merci. T'as plus de mini-cotons. Pour Nour, née trois mois et demi avant terme, les soins les plus quotidiens peuvent présenter un danger. D'ailleurs, ce matin-là, il va faire une belle frayeur à ses infirmières. Tu fais gros pipi. Ça va faire du bien de se retrouver au sec. Jusque-là, Nour supporte bien les soins. Les infirmières peuvent entamer l'aspiration des bronches, un acte indispensable, mais très désagréable pour le bébé. Attention. Ça y est, chouchou, ça y est. L'aspiration, c'est pour enlever toutes les sécrétions qu'ils peuvent avoir au niveau bronchique et qui peuvent les empêcher de bien respirer. Tu le prends, je le prends. Une demi-heure plus tard, les soins sont presque terminés. Pour son confort, les infirmières changent Nour de position. Une opération délicate qui va mal tourner. Passe ton petit bras avec le caté. C'est bon ? C'est bon. Hop là. Et bonhomme, c'est quoi ça ? Là, c'est pas bon. Nour s'est arrêté de respirer. Un accident fréquent chez les prématurés. Il faut lui apporter de l'oxygène d'urgence. T'as pas kiffé le changement de position, bonhomme. Son cœur ralentit dangereusement. Son taux d'oxygène dans le sang chute brutalement. Ouais, je sais. Quelques secondes interminables, avant que le rythme cardiaque ne revienne à la normale. Il remonte. Il a fait ce qu'on appelle une bradycardie, donc il a bradycardé au niveau du cœur, il a désaturé. Bradycardie, ça veut dire que le cœur ralentit. Quand il désature, il y a aussi un manque d'oxygène au niveau du cerveau, donc on essaie de réagir au plus vite. Ça peut entraîner des séquelles, c'est ça? Ça peut entraîner des séquelles. Si c'est juste comme ça, ça va, mais on a toujours un peu peur pour eux, quoi. Donc, c'est l'incertitude. C'est chaque jour, on ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. 7 jours après sa naissance, l'état de santé de Nour reste très préoccupant. À l'autre bout du service, sa sœur présente elle aussi des signes inquiétants. Après son opération de l'intestin, Romane pourrait avoir une infection. Il y a danger. Il faut absolument faire un bilan sanguin pour vérifier. Et pour Karine, la prise de sang s'annonce très difficile. Elle a des très petites veines. Ouais, elle est fine celle-là. Et celle-ci, vous l'avez testée? Ouais, elle me paraît pas mal celle-là. Vas-y. Pardon. Ça vient, mais j'ai pas énormément de débit. À cause de la petite taille du bébé, la quantité de sang dans les veines est très faible. Dans les malutes. Je vais prendre une petite compresse sèche. C'est dommage, hein.
La première tentative est un échec. Il n'y a pas assez de sang pour faire une analyse. Le bilan est essentiel pour le bébé. Il faut réessayer. Merci. Petite chérie. Je suis désolée, chica. Il n'y a rien qui vient. Deuxième tentative, nouvel échec. C'est hallucinant quand même. Hein. La meilleure des volontés, mais là, franchement, c'est vraiment... Pour les infirmières, c'est une épreuve. Ça donne chaud, là. Piquer un bébé, je sais pas combien de fois, juste pour un petit bilan, c'est un petit peu frustrant. Ah oui, parce qu'on aimerait bien ne pas s'acharner. Et c'est pas à piquer plusieurs fois, et c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Pendant de longues minutes encore, les infirmières vont essayer, sans succès. Le médecin de garde vient leur prêter main forte. Il faut faire vite, le bébé commence à s'épuiser. Je me dis, je fais. Chaton, je te pique ma jambe. C'est bon ? J'ai ça. Non. Avec ça, je fais quoi ? Attends. On peut essayer. Karine a récupéré quelques précieux millilitres de sang. Elle fonce pour les envoyer au laboratoire d'analyse de l'hôpital. Voilà. Résultat, dans quelques heures. Voilà, c'est bon. Il est parti. Comme Nour et Roman, ce sont près de la moitié des jumeaux qui naissent prématurés. Un pourcentage qui atteint quasiment 90% pour les triplés.